le roi Charles III pourrait être remplacé par son fils, le prince William, pendant la durée de son cancer. Dans un article dévoilé le jeudi 22 février 2024, Vanity Fair est revenu sur la possibilité d'un rôle temporaire pour le prince Harry. En bref, le prince Harry a exprimé son intention de visiter sa famille au Royaume-Uni plus fréquemment et de jouer un rôle temporaire dans la famille royale suite à l'annonce du cancer du roi Charles III. Cathy Nicole, experte royale, a souligné que la possibilité pour le prince Harry de reprendre ses fonctions royales est hautement improbable et que le plan d'urgence n'inclut pas sa participation. Les relations tendues entre le prince Harry et le prince William rendent improbable un retour temporaire de Harry dans les fonctions royales, avec William et d'autres membres actifs de la famille royale prêts à assumer les responsabilités. Depuis l'annonce du cancer du roi Charles III, le prince Harry semble prêt à faire un pas vers la réconciliation. Après avoir rendu visite à son père au début du mois de février, il avait ainsi accordé une interview à Good Morning America. J'ai d'autres voyages au Royaume-Uni de prévu. Je reviendrai voir ma famille autant que je le pourrai, avait-il à leur annoncer. Quelques jours plus tard, le Times avait rapporté que le duc de Sussex se serait dit prêt à assumer un rôle temporaire au sein de la famille royale si cela était nécessaire. Selon Vanity Fair, la possibilité que le prince Harry reprenne ses fonctions est cependant hautement improbable. L'experte royale Cathy Nicole a d'ailleurs expliqué à ce sujet, « Il existe un plan d'urgence soigneusement élaboré si le roi n'est pas en mesure de mener à bien ses engagements publics au cours des prochains mois, et aucun d'entre eux n'implique le prince Harry. » Le prince William ne permettrait pas au prince Harry d'assumer un rôle temporaire depuis quelques semaines, le prince Harry se serait rapproché de son père et entretiendrait des échanges chaleureux avec lui. D'un autre côté, ses rapports seraient toujours aussi tendus avec le prince William. Les frères se parlent à peine, donc l'idée que William veuille que Harry revienne et représente l'entreprise est à la fois risible et impensable, a souligné Cathy Nicole. Elle a ensuite ajouté au sujet du mari de Kate Middleton, « Il est absolument et catégoriquement clair qu'il ne permettrait pas à Harry de revenir. » En attendant que le roi Charles III puisse reprendre pleinement ses fonctions, seuls les membres actifs de la famille royale sont donc sollicités. La reine Camilla, la princesse Anne ou encore le prince Edward peuvent ainsi représenter le monarque. Vanity Fair a cependant indiqué, si quelqu'un doit assumer davantage de fonctions, ce sera William, et ce n'est même pas à l'ordre du jour pour le moment. Son objectif principal est la santé de son père, sa famille et ce qu'il y a de mieux pour la monarchie. Un retour temporaire du prince Harry dans la famille royale semble donc totalement exclu.